lis seulement verset 5. Josué chapitre 24, à partir du verset 13, on continue. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il existe à la même matin? Amen. Et nous espérons que vous vraiment motivés pour entendre des paroles de Dieu. Et ce même sujet, on a pu continuer. Le sujet nous avons avec vous, ça fait quelques dimanches. Et concernant connaître Dieu pour mieux le servir. Et nous t'es vraiment pressuré de te gagner rencontre là. Après, nous pas vraiment bien, eh bien, dit tout ça, nous devons dire, mais je veux dire, nous avons une possibilité pour nous parler en long et en large sur ce sujet ça, connaître Dieu pour mieux le servir. C'est pas parce que nous avons cru que nous avons dit tout bagaille, mais nous croyons que, et nous avons dit bien, et une bonne partie concernant ce sujet. Et c'est important, bien aimé, pour nous, servir mon Dieu. C'est important pour nous servir. Et quand tout le monde qui est serviteur, qui est servant, qui a servi mon Dieu. Et il servit mon Dieu selon peut-être gens qui connaissent, gens qui sont capables et gens qui veulent. En tout le monde, il est serviteur, servant de Dieu. Mais il y a une chose que nous avons besoin qu'on ait, qui est extrêmement important. Ou pas qu'à servir bon Dieu ça, si vous ne connaissez pas. C'est dans toute bagaille, tout ça que vous voulez faire, eh bien, vous voulez engager la donne, ou besoin de gagner un minimum de connaissances pour faire. Pour servir le Seigneur, vous avez besoin de gagner une connaissance de lui-même. Et nous t'ai parlé dimanche là concernant le texte que nous lisons, nous avons dit, mais nous t'ai parlé en l'heure et en l'âge, pour dire que, eh bien, le peuple Israël, il n'y a pas vraiment connu bon Dieu. Parce que si on a fait histoire, on a pu dire que, eh bien, en pile dans le peuple, il était vraiment mort dans le désert, il n'y a pas arrivé à Canaan. Parce que tant bon Dieu était pris, on a pu faire, on a pu faire plus tellement, on a fait rond dans le monde, on a vraiment désobéi, on a fait rébellion, et puis on a pu faire plus tant. Ça veut dire que, eh bien, le monde qui était connu bon Dieu, les peuples qui ont quitté l'Égypte, bon Dieu t'a manifesté puissance li à travers Moïse et à travers des signes des plaies qui tombaient sur pays en pile là yo pas fait expérience yo qu'attendil mais yo pas de vivre yo pas de connaître et c'est ça qui a bail bien en pile problème dans désert parce que mon yo vraiment yo pas expérimenté bon différence entre leur connaissance théorique avec leur connaissance pratique. Amen. Oui. Leur connaissance théorique avec leur connaissance pratique. C'est deux bagages différents. Et ça fait, dans la Bible, où joint le verbe connaître, il y a plusieurs connotations. Et souvent, les verbes sont accompagnés de choses, ils ont un sens normal. Mais les surtout accompagnés de personnes, ils sont accompagnés de Dieu, ils ont un sens qui est plus profond que je ne veux pas dire. C'est ça que fait après dans la Bible. Il dit que Joseph pas connaît Marie avant que Jésus était fait. Vous comprenez ça? Alors, Joseph n'a pas vraiment une bonne relation intime avec Marie lorsque Jésus était fait. Et en grand pile côté de parler de verbe pour ça, non, sans ça. C'est pour nous dire que connaît le bon sens qui est plus profond. Lui demander une expérience.
Li mande yon attachement qui plus serré. Si ça fait, les nous parler de connaître Dieu pour mieux le servir, c'est pas avoir une connaissance théorique de Dieu. Ça fait les deux dimanches derniers, si c'est pour ça même Satan connaît bon Dieu. Satan connaît qui est bon Dieu. Satan pas mettre sa bon Dieu en application, mais connaît qui est bon Dieu. C'est ça. Créer une connaissance théorique. Il y a plein de monde qui connaît parole là. Il y a plein de monde qui lit parole là. Est-ce que là? Maçon là, je lis parole là. Ou bien, il y a une Bible même là. Si c'est la Bible qu'on a gagné, si c'est la Bible qu'on a appelé, si c'est, eh bien, champ d'espérance ou gagné, ou bien si c'est seulement, ou qu'on est pour persévérer seulement, vivre l'exercice seulement, qui c'est, eh bien, qui va permettre qu'on connaissance de Dieu, ou pour qu'on la donne. Ou pour qu'on la donne. Ou pour qu'on prête pour la donne. Qui t'aime nous arrive. Ou pour qu'on prête pour la donne. C'est pour son famille. Gion connaissance de Dieu, c'est connaître bon Dieu, et bien pour expérimenter, pour vivre ça que bon Dieu a, pour vraiment bien, et bien pour vraiment faire ça que le mandé a. C'est ça que je voulais dire, on connaît bon Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. C'est pas, c'est pas ça. Les pour vérité à l'affranchir réellement pour libre, c'est connaître pour dans le sens qu'on on va pratiquer, on va observer, on va marcher selon vérité. Amen. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À travers le texte qu'on lit, nous voyons que le peuple a vraiment un pile problème. Josué obligé reler pour dire mais tout ça bon Dieu peut-être nous n'avons pas de vivre nous-mêmes mais Josué obligé à retracer tout ça bon Dieu te fait pour eux tout ça bon Dieu y est pour eux et ça fait ma vie bien-aimée connaît bon Dieu lui demander vraiment pour vraiment bien reconnaissant de tout ça fait pour vous déjà. Amen. Y a un monde qui appelé pour oublier ça bon Dieu pour lui on peut pas comprendre bon Dieu. C'est ça que ouais, Josué a fait la font rétrospection avec le peuple là, de la retracer tout ça bon Dieu réalisé pour eux. Et si c'est mémoire écoute, il dit bien pas de problème. Jusqu'ici, si c'est blin qui est bon Dieu ça y est. Pas de problème mais nous avons choisi moun que nous avons servi. Mais une bagaille, là, on a dans le texte, bien aimé. Là, il finit rappeler tout le bagaille. Il dit Maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voilà. Ou pas qu'à servir mon Dieu, j'en voulais. Il finit étaler tout le bagaille. Il dit regarde comment nous dans le pays, nous ne pouvons pas travailler pour lui, nous ne pouvons pas mériter. C'est le pays canarien, c'est un pays côté l'état de mille d'accoulé. Son pays vraiment gras présent, yo, gèle, c'est le monde qui était fait dans le monde gras palmiste. Ou pas même calvé, yo. Tellement t'es lourd, t'es vraiment. C'est un pays vraiment côté que yo pas de travail pour lui. Mais bon Dieu, avec ses bras puissants, lui vraiment, lui baille au pays. Il l'est plus rentré dans le pays, en pile dans l'expérience, il dit yo pas capable dans le pays, parce que le monde qui habite dans le pays, ça tellement. Gros nègres, ils ont des géants. Ils disent pas de nous dans ton sauterelle devant eux, ils ne pas toi. Mais Josué avec Caleb dit le fait que bon Dieu dit la banoule, il a avancé dans le grand pays. Et le bon Dieu va au pays. Tout géant ça, donc le la Bible dit eh bien, Goliath, les rois de Bazan, hein, roi des Amoris, sont des géants. Auteur, ils ont fait deux, plus que deux. Tellement gros, ils ont ça fait nous comprendre David pas qu'on présente rien devant Goliath. Bon Dieu, bah, au pays. Bon, t'es fait pile en pile. Qu'on y allait. Il dit maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est ça, nous, pour servir mon Dieu, ou pas qu'à servir les gens voulés. Il dit servez-le avec intégrité et fidélité.
Intégrité, ça veut dire. Un monde qui intègre, c'est un monde qui conserve face. C'est un monde qui est en présence ou en absence, c'est un monde qui est de l'unir. Est-ce que vous avez dit? Ça, c'est un monde qui intègre. Ça, c'est un monde qui intègre. C'est l'abdou de mai. Ça, le dit dans l'église là, et bien l'LD, c'est l'abdou. Il ne pas changer, il parle de monde. C'est ça que le monde intègre. Et pour servir l'éternel, il dit servez-le avec intégrité. C'est pas seulement dans l'église pour vraiment bien ou penser à servir mon Dieu, mais n'importe côté, si vous êtes serviteur d'ailleurs, vous êtes servant d'ailleurs, et bien vous devez toujours servir mon Dieu. Amen. Même lorsque vous travaillez, parce que vous travaillez, vous ne pouvez pas vous dire. Il va connaître si c'est chrétien, si c'est mouan, il va connaître qui mourir. Il va connaître. On monte dans tout le monde. Mais pendant ce temps, il va connaître. Il faut qu'on ait toujours prouvé où son serviteur, mon Dieu. Il faut qu'on ait toujours prouvé son servant, mon Dieu. Laissez-moi qui connaît. Si on prend ce qui connaît, c'est normal pour qu'il y ait un effort pour qu'il y ait. Mais c'est là où on ne connaît pas. Là où les gens ont parlé, là où les gens ont comporté, les gens ont réagi. Est-ce que vraiment, eh bien, vous servez mon Dieu avec intégrité? Est-ce que vous faites le job là? Parce que Dieu, mon Dieu, est pour nous faire, pour nous servir là. Pas seulement venir à l'église à la vie, adorer, venir chanter, venir prier. Non. Les plus profonds que ça. Et ça fait, pour servir mon Dieu, d'ailleurs, il faut qu'on serve de vous. Faut que d'abord vous serviteur. Et ce n'est pas au cas de son serviteur, mais il faut que bon Dieu approuve que son serviteur. Amen. Faut que bon Dieu reconnaisse non vous serviteur. Mais si vous êtes serviteur, vous connaissez. Si vous êtes nous serviteur, vous connaissez. Amen. C'est dans la Bible, nous venons pile le monde que bon Dieu a approuvé sa réunion. L'homme Joseph, il dit Joseph était un homme de bien. Si vous nous dites Joseph était un homme de bien, effectivement, Joseph était un homme de bien. C'est bon de ne pas bien faire Job pour le monde qui fait ça. La Bible dit Job était un homme droit, était crédible. C'est ça. Job rit mon côté, madame dit le mot, bon Dieu là, il va mourir. Mais Job dit non. Je ne sais pas comment dire bon Dieu. Est-ce que là? Job dans toutes ses épreuves, mais il était toujours vraiment bien. Qu'il est bon Dieu là. Et ça fait que, après toute sa vie perdue, bon Dieu lui parle plus la valeur. Mais pas, la Bible dit, avec les anges déchirants qui sont venus, dit, est-ce que tu remarques mon serviteur? Hein? C'est un homme intègre. C'est un homme. Bon Dieu qui a fait Job pour Job, bon Dieu qui a parié sur Job. Bon Dieu bénit. David, malgré le péché David, bon Dieu dit David, son homme selon mon cœur. Elle dit, je ne sais pas si on comprend bien, mais si c'est un monde qui voit son serviteur seulement, ou bien si on même réveille son serviteur, bon Dieu va approuver. Il n'est pas important. C'est pour que bon Dieu approuve sur son serviteur. C'est pour que bon Dieu dit oui, ça c'est mon serviteur, c'est ma servante. Amen. Et c'est alors que service sur l'eau. Il n'y a pas d'intégrité là-dedans, et bon Dieu lui-même, il parle d'accord, il parle content. Amen. Dans le cas où on a saisi, ouais, m'a prêché bien vrai, et m'a joué bien vrai, et m'a pardonné bien vrai, et puis tout c'est chaud, Jésus. C'est la vie d'abord. C'est la vie d'abord. C'est la vie d'abord. Parce que bon Dieu est plus intéressé avec ça, nous y est, que ça n'a offert la vie. Amen. Ouais, bon Dieu est plus intéressé avec ça, vous voyez, avec l'aide. Que le service. Nous toujours dire le serviteur avant le service. Mon Dieu, même le plus travail pour lui. Mon Dieu dit bien, la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit nous mettons prier la voie ouvrier. Mon Dieu, rien pour mon travail pour lui. Mais comment on a travaillé? Comment on a travaillé? Comment on a travaillé pour lui? Et c'est sanguin comme nous dilemme. Dans l'église, nous connaissons que nous parlons des modèles. Nous n'avons pas des modèles et nous avons besoin des modèles. C'est vrai qu'on ne peut pas l'homme pour suivre l'homme.
aller net, mais il faut qu'on ait un modèle. Ou pas, à vous de parler de mon côté, dit, soyez mes imitateurs, hein, comme je le suis de Christ. Il dit, nous m'imiter parce que moi-même, c'est Christ m'a imité. Pourquoi je m'appelle ça? Ou là, c'est Katine. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. À vos de Paul, il dit, mais le fait que c'est mon Dieu, m'a copié, nous a copié. Mais en plus, fois, leader, je ne dis pas qu'il n'y a pas dit ça. Ça y a fait. Ça y a dit à Gaboré, mais ça y a fait son lot de bagailles. Et c'est ça que fait ma vie, vous ne parlez pas sur aucun monde. Le parfait modèle, c'est Jésus. Le parfait modèle, c'est Jésus. Et nous-mêmes, avec grâce, mon Dieu, nous avons toujours fait effort pour nous vraiment bien bailler une belle représentation de ça. Nous vous avez bien. C'est vrai, je ne vais pas suivre moi, mais moi-même, j'ai une obligation, j'ai comme mission pour me voir un bon exemple. Nous gardons en parenthèse. Toutes les fois, on a fait bon bagage, suivez-moi. C'est le moyen. Toutes les fois, on a fait grâce, suivez-moi. Dernièrement, dans ce moment, on a parlé avec un serviteur qui est aux États-Unis. C'est une lenteur qui était vraiment. Et nous sommes dans le ministère ensemble, mais nous sommes l'église avant. Il dit, serviteur, il y a une bagage qui fait qu'il est content. Eh bien, l'homme entre l'église, il y a deux personnes qui sont prêts comme modèle. Et deux mondes savent vraiment jusqu'à présent, il n'y a pas regret de faire que l'ouvrir les yeux pour te prendre deux mondes savent comme modèle dans l'assemblée. C'est moi-même avec notre serviteur. Parce que bon Dieu voulait que nous soyons modèles. C'est en pile fois, c'est nous-mêmes qui partons de qui ça veut dire de nous. Et de nous prêts pour nous faire n'importe quoi, nous comprendre n'importe quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Dans 2 Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Ce n'est pas question, ah, c'est mon, c'est la chair est faible. Non. Pas prendre prétexte à la chair est faible, quand est-ce qu'il est disposé? Toutes les fois où on est dans la prière, toutes les fois où on est dans l'étude parole de Dieu, chair n'a pas qu'à faire ça, non? L'immunité, oui. L'esprit a le contrôle sur lui. Si vous parlez dans la prière, c'est normal, vous pouvez faire ça, vous voulez. Vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire. Parce que vous parlez dans la prière, parce que Christ, comme étant le vrai modèle, il dit nous avons besoin de prier sans cesse. On n'a pas besoin sans cesse. Jésus-Christ, comme le vrai modèle, lui-même, il est toujours à prier. Vous voyez, Bible, et bien, très souvent, Jésus-Christ, il est sur la montagne, il est écarté, ça l'a fait. La prière. C'est pour la prière. Il dit, papa fait une nuit à prier. Non, on a 4 veilles de la nuit, il fait toute nuit net à prier. Même nous avons dit, nous avons fait 2 veilles de la nuit. Veille de nuit, chaque veille de la nuit, il y a 3 heures de temps. Nous avons fait 6-7 ans. Bon, nous avons fait 6-7 ans. Pourquoi son veille de la nuit? Nous parlons de faire une veille de la nuit. Et Jésus-Christ dit, il fait toute nuit à prier. Si vous pas dans la prière, vous ne pouvez pas résister dans le mauvais jour. Les mauvaises tentations viennent, les tentations viennent sur vous, c'est normal pour succomber parce que vous n'avez pas de grâce. Vous n'avez pas de provision assez pour camper, pour dire non, ça c'est bon, je ne vais pas attendre, je ne vais pas obéir. Il faut dans la prière. Ou? Les ennemis viennent sur vous. Parce que les ennemis, ils les connaissent. Ils ont une faiblesse. Ou pas, ouais, après Jésus, comme il fait 40 jours, 40 jours, ça passe. Il connaît Jésus grand coup. Et même les soucis, bon Dieu, petit bon Dieu. Ordonnez que vous vous donnez paix. En plus, fois, il y a un bagage, Satan vient de vous. Il connaît pour faire vous. Et la vie n'est pas de. Satan, ils sont stratèges. Ils sont vraiment techniciens. Le grand façon de venir, c'est pour être capable vraiment bien. Depuis, on est pour tout le monde. Ça fait, soit pas dans la prière, ou pas dans la parole. C'est où après, eh bien, ou dérouté. Bon, je vais dire. C'est où après, ou dérouté. Et ça fait, pour connaître bon Dieu, hein, c'est pas bien une connaissance théorique. C'est une connaissance pratique, purement pratique.
Et bien pour gagner connaissance ça, il parle de côté, et bien c'est là commencer à persévérer. Ou commencer vraiment bien à chercher mon Dieu. C'est pas chercher mon Dieu avec tout désintérêt, c'est chercher avec tout le cœur. Montrer qu'on a intérêt pour chercher mon Dieu. J'aime moi nous parfois nous enthousiasmer les pour notre travail les pour nous c'est moi si ce travail n'est pas joli dans le sorti et ici là à Montréal moi si n'importe raison à ne pas bénéficier. Amen. N'importe raison ne pas bénéficier à gagner là à gagner ceci que ce soit pendant ce travail là ou à faire effort que ou à abriter ou à goûter ou à faire des bouillons mon bon il faut aller. Oui, on va tourner, on va faire effort quand même. Ça veut dire qu'on monte plus intérêt pour le travail là. Si on monte plus intérêt pour connaître mon Dieu, on va connaître mon Dieu. Parce qu'à la vie, nous sommes dans pile monde. Que mon Dieu relève, premièrement, il relève, il cherche à connaître mon Dieu. On va tout dire que Christ relève, ça passe. Il relève, puis on suit lui. Pendant à suivre les gens, la former, la préparer, la équiper. Mais donc, si vous pas suivre, comment tu as fait? J'ai une formation pour une disciple. Vous devez nous. Amen. Si vous pouvez une disciple, vous êtes d'accord pour suivre maintenant. Mais quand pile monde qui est d'accord pour servir mon Dieu, puis son disciple, puis n'importe quoi pour monter, mais il n'y a pas d'accord pour payer le prix. Moi-même qui parle là, ce n'est pas du jour au lendemain, moi qui parle pour mon Dieu. C'est un processus. Et le processus, ça lui-même le printemps. Bon Dieu béni. Bon Dieu carré l'eau, c'est vrai. Mais bon processus en tel relou là. Et bien pour là où on va exécuter votre mission relou là. Le bon Dieu relève David. Automatiquement relève David. Mais David n'est pas ouais automatiquement, il n'est pas premier automatiquement, non. Il est bon temps. Je crois qu'en plus, on a besoin de relais, nous travailler pour livrer, mais nous avons besoin de payer le prix. Faut que nous persévérer. Pour jouer une grâce, pour jouer une puissance, mon Dieu, c'est dans la persévérance. Amen. La Bible dit, les premiers chrétiens ont été persévérés dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction de paix, dans les prières. Et pour elle, on est bien grande. Lorsque monsieur était dans la chambre, il était assidu, il était là. Parce qu'il était attendu. C'est l'esprit que Jésus-Christ pour maintenant. Et bien, il était là. Et bien, dans le 50e jour, vraiment bien, il recevra. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survient sur vous et vous serez. Ou pas qu'à témoin, mon Dieu, comment, n'importe comment. Ou pas qu'à un serviteur de Dieu, sans pas gagner la grâce de Dieu, pas gagner l'onction, mon Dieu. Ou qu'à éloquer, ou qu'à parler bien, ou qu'à parler belle français, ou qu'à vraiment, ou qu'à verser dans les écritures. Mais parole, ou n'a pas jamais qu'à convaincre dans le monde. Pour parole, ou faire effet dans la vie, il faut vous gagner la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Connais mon Dieu, bien-aimé, c'est qu'on est attribué, mon Dieu. Dimanche, parce que Dieu t'a parlé de yon attribué. Mon Dieu gagné, pour dire que Dieu est immuable. Bon Dieu, il n'est pas changé. Il est vraiment béni. Mais c'est seulement un attribut. Dieu ne change pas, ou bien Dieu est immuable, mais Dieu ne varie pas. Bon Dieu, il n'est pas changé. Et ce n'est pas ça seulement. Et chaque attribut, c'est un sujet et bien pour nous décortiquer. Est-ce que vous vraiment qu'on attribue bon Dieu? Parce que, bon Dieu, si vous regardez bon avec les yeux de la chair, apparemment, je ne reconnais pas comme ça lié. Faut décortiquer les attributs de Dieu. Vous connaissez mon Dieu, non seulement l'éternel, mais par vos limites, par vos commencements, par vos fins, c'est Alpha et l'Oméga. Ou qu'on n'est pas changé. Ouais. Ou qu'on est sur mon Dieu qui est omniscient. Dieu va la voler. Hein? Omniscient de Dieu, c'est que pas gagné. Qui arrivait, qui venait devant inaperçu, qui venait comme qui est étrange. Non, il est déjà contre toute bagaille. Il réunit les trois temps. Le passé, le présent, le futur, il fait au fond seul. Trois temps, oui.
C'est Jésus qui a conjugué le verbe mourir parce que j'étais mort. J'étais mort. Elle dit, le futur qui est devant, le passé, le présent, il fait tout, il est au fond seul. C'est Jésus. Ça fait les omniscients. Ça fait comme dans le psaume 101, il va dire, oh, sondez-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Éprouvez-moi. Connais mon cœur. Oh, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi. C'est pour te connaître. Oui. Nous sommes pour dire omnipotent. Waouh. L'omnipotence de Dieu, il peut tout faire comme des tout puissant. Un n'y est pas impossible. Mais là, on va te dire dans le bagage. On comprend. Dimension, mon Dieu, comme ça. C'est ça qui permet de commencer à faire des connaissances. Qui va permettre d'expérimenter. Bon Dieu, mais non. Oui. Amen. C'est là qu'on tout attribue comme ça. On connaît l'omniscient. L'omnipotent, l'omniprésent également. Parce que l'omniprésent, c'est que les partout en même temps. Yes. Pendant le Canada, les États-Unis, l'Haïti, en Afrique, tout côté en même temps. C'est bon Dieu comme ça. Pas de monde qui a tout côté en même temps. Même diable, il n'est pas tout côté en même temps. Diable, mais comment il est même? Le diable lui-même lui gagne des soldats qui ont travaillé pour lui, qui ont battu les comptes rendus partout dans le monde. Il gagne des acolytes. Et comme ça, Mme Tad dit, bien, si on prend la police lui gagne un sous-commissaire, un commissariat dans chaque arrondissement, ou bien des maconnés dans chaque zone. Oui, n'importe événement privé, il y a fait apparition. Et leur faire attention, base comme ça, tout pays comme ça. Mais ce n'est pas toute la police qui est au seul côté. Hein? Mais c'est à travers des biens, ça a bien dans Montréal, ça a bien dans la zone là. Automatiquement, la connaît. Et puis, elle connaît. Elle dit, c'est comme ça, Satan, pas tout en même temps. Satan, il y a vraiment des soldats qui travaillent. Et c'est ça qui fait. Satan, il est toujours à chercher où. Le matin, le après-midi, la chercher pour être capable de jouer une faiblesse pour l'entrer dans vous-même, mais il n'y a pas qu'à. Parce que il n'y a pas connaître dans quel moment on fait vraiment, mais il est toujours tâtonné. Il n'est pas omniprésent. Mais bon Dieu, il est omniprésent. Lorsqu'on connaît tout ça, bon Dieu, qu'on a une des capacités qu'on a là pour expérimenter sa lumière. Amen. Amen. Ou une des capacités qu'on a là pour connaître, ah, bon Dieu, il est tout puissant, bon Dieu, il est tout côté, il est tout barrière, qu'on a. L'autre situation qu'on a, ou pas quitter la situation menée, on peut aller. On va mettre tout ce que vous dites, ah, bon Dieu, je n'ai pas fait ça. Oubliez, toi, Jésus, oui. Il dit, mais bon Dieu, je n'ai pas fait ça. Il dit, bon Dieu, je n'ai pas servi, Lika. Et effectivement, bon Dieu, tu es délivré. Et monsieur, allez plus loin, il dit, bon, même si bon Dieu n'est pas capable de délivrer, il n'est pas parce qu'il n'est pas capable. Il n'a pas encore volonté, c'est le souverain, mais il est capable. Le Dieu que je sers peut me délivrer. Et même s'il ne peut pas délivrer, il ne peut pas couper. Mais c'est son connaissance qui va cette conviction-là. S'il ne connaît pas bon Dieu, il ne pas connaît bon Dieu capable de délivrer, il va dire bon, ça là, bon. Il va faire le choix. Mais le fait qu'il connaît bon Dieu capable de délivrer, il dit bon, même s'il ne peut pas délivrer, c'est pas vrai, mais il est capable. On va trouver. En plus, foi, bien-aimé, et comme si nous mettions la capacité de Dieu nous mettons en évidence que nous ne croyons pas que bon Dieu a fait ça. Plutôt, nous demandons bon Dieu si c'est volonté ou. Même dans les bon Dieu dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'y a pas de bon Dieu sont capables. Il dit que nous connaissons bon Dieu capable. Si vous voulez mettre la ou guérir. Bon Dieu, tellement monsieur Kouel, il gagne la foi, il vous dit, eh bien, ok, sois pur. Mais en plus, fois, on dit, bon Dieu, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on est capable? Pourquoi bon Dieu? Voilà, non. On part contre bon Dieu. Le part contre bon Dieu, c'est pas qu'il faut tâtonner comme ça. Ouais, vous obligez peut-être de quitter tout ça, des bagages pour nous capables de vraiment dire ça, bon Dieu, de mon Dieu, parce que ce sujet est tellement pile. On pas capable. Si on part contre bon Dieu, on pas qu'à servir mon Dieu. Songez à la ronde. Avant, bon Dieu, il n'est pas contre bon Dieu parce que bon Dieu n'est pas grillé. C'est vrai, bon Dieu devine Alaron avec moi comme un aide.
Mais les gens qui ont été réunis comme libérateurs pour le peuple d'Israël, retirés en Égypte, c'est Moïse. Pendant Moïse, ce monde a répondu, eh bien, le peuple a tellement chaud de corps à Aaron. Il dit, Aaron, même Moïse, ça, par contre, ça a devenu qu'on y a là. Dégagez-vous, on a tout pour l'adorer. Mais Aaron n'a pas de guerre, qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas expérimenté bon Dieu. Rapidement, il dit, viens avec l'homme, viens avec lui, viens avec lui, fais le bail. C'est bon Dieu, c'est Moïse qui a été réunis. Vous savez, bon Dieu, c'est Moïse, bon Dieu, former Moïse. Il retire le caparon, il fait aller à Génois, il garde les bêtes pour la balle dans l'autre formation. C'est vrai qu'il y a une connaissance, des connaissances, des connaissances, des connaissances, son guerrier vraiment, mais il a besoin de connaissances pratiques pour expérimenter, bon Dieu. Amen. Bon Dieu béni. Amen. C'est ça, il a besoin de connaissances. Et connaissance, ça, c'est pas seulement la Bible de Baoul. Il y a trois sources qui sont capables de bon Dieu. Premièrement, il y a une conscience. Conscience ou capable de dire que bon Dieu. La Bible a révélé qui est bon Dieu. Mais la nature encore a fort, ouais, bon Dieu, grandeur bon Dieu. Mais bon Dieu, parfois, est capable de révéler personnellement ou même qui est lié. Ça que nous révélons bien la révélation est bien directe, mais la révélation personnelle. Parce que bon Dieu a révélé le bagage. Et ça qu'on a dans tout nos bon Dieu, c'est des révélations avec des serviteurs. Il a parlé avec Moïse. Moïse dit, mais Moïse dit, ah, bon Dieu, par contre, parler, ça va vraiment être possible. Où est-ce que je parle? Ça m'a dit, qu'est-ce que ça m'a dit? Il va le révéler à Moïse, seulement à Moïse, il va le révéler. Il va dire, je suis celui qui suis. Mais c'est moi, c'est Samia. Waouh, regarde, définition. Il dit, c'est moi, c'est Samia. Et ça fait me croire que, il y a quelques situations personnelles où il y a. Dis-moi de vous voulez elle. Dis-moi de vous voulez expérimenter. Dis-moi de vous voulez elle. Dis-moi de vous voulez. Vous voulez, c'est lui-même qui met au dehors. Il a mis au dehors. Vous êtes capable. Il est capable. Il est capable. Vous pouvez parler d'Abraham. Il dit Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Dans Genèse 17, marche devant ma face. Seulement, mon goût était. Mais ma, mon goût, c'est moi, bon Dieu. Il nous capte tout d'abord. Effectivement, elle parlait avec Isaac devant l'hôtel. Là. Eh bien. Elle pensait qu'il allait égorger, elle allait écouter, elle dit non, arrête Abraham. Arrête. Et puis elle regardait, puis il voit qu'elle parlait, voyons, nous sommes avancés. Elle dit, l'éternel, il pouvoir là. Yes. Et vous êtes dans le rêve d'Abraham, c'est lui même qui pouvoir tout dans la. Mais une fois, ou pas qu'on nous dit, ou pas qu'on nous dit pouvoir besoin, ou pas qu'on nous dit qu'il a fait ça, ou ne sommes ou pas qu'on nous dit, et puis l'on a c'est pour parti. Ou même vous allez regarder. Ou faites toute réflexion possible parce que vous ne connaissez pas mon Dieu. C'est lorsque vous connaissez de Dieu, ça va permettre que vous ayez une forme de réflexion à faire et vous ayez des actions qui sont propres par rapport à ce que vous connaissez mon Dieu. Vous avez une action à poser. Et l'action va permettre que vous ayez un comportement, ouais, un caractère. Tout ça nous dit là, c'est vous-même qui va le juger. Est-ce qu'on connaît mon Dieu? Même mon Dieu bien-aimé, ou pas qu'à servir mon Dieu si on ne connaît pas. Ou qu'à plus prétendre qu'on va servir mon Dieu. Je dis dans le dimanche passé, pour me faire que madame moi content, il faut me connaître ça remet. Il faut me connaître ça remet. Amen. Amen. Si ce n'est pas ça, je vais me faire fâcher chaque jour.